Est-ce qu'on peut se réjouir finalement de cette mauvaise saison du PSG? Quand je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est bien quand même sympa de voir que l'argent ne fait pas tout dans le sport, Pierre. Alors oui, heureusement. Alors bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Oui, on va être plus subtil. Bien évidemment que la glorieuse incertitude est présente dans le football, et ça a été calculé maintes et maintes fois. On peut montrer que la corrélation entre budget, masse salariale et classement sportif sur 10, 15, 20 saisons, c'est aux alentours de 80%. Donc il reste Ah oui. 20% d'incertitude. Ah ouais. On a des cas exceptionnels, mais Paris, globalement, vous l'avez dit, Paris a été champion de France. Donc Paris, finalement, grâce à son argent, s'est maintenu au sommet de la Ligue 1. Mais ensuite, il faut vraiment faire le distinguo pour nos éditeurs. Il faut faire la distinction entre le championnat qui est sur la durée, Ouais. avec 38 journées où tous les clubs affrontent tous les autres, sur des matchs aller-retour, donc il y a beaucoup plus de matchs. Et enfin, sur les matchs de coupe, Coupe de France et Coupe d'Europe. Ouais, mais là, Oui, mais les matchs de coupe, Pierre. c'est sur un match. Et Oui, sur un match, mais tout peut justement, arriver. mais oui, Et mais. d'ailleurs, on l'a vu avec PSG Rennes, ça Mais. s'est joué au tir au but, et les tirs au but, par Non, définition, mais c'est Pierre, c'est quasiment pas. une loterie. Donc, Oui. on a Ouais, mais l'incertitude. non, c'est pas acceptable comme raisonnement. Si justement on achète des joueurs aussi chers, Oui, mais. c'est bien pour faire basculer les grands matchs, c'est Bien pas pour sûr, non, assurer la routine du bien sûr, mais il y a championnat. aussi un autre élément à prendre en considération, c'est que vous l'avez dit, éliminé en huitième de finale de Ligue des Champions. Il faut bien savoir qu'en Ligue des Champions, à partir des huitièmes, voire des quarts de finale, c'est fini le côté le pouvoir de l'argent. Ouais. À partir de là, c'est la grande loterie parce que tous les clubs présents, mis à part l'Ajax d'Amsterdam, qui est un cas exceptionnel, tous les clubs ont un budget supérieur à 300 et 400 millions d'euros. Donc finalement, ça va jouer vraiment sur une loterie. Et le deuxième élément, c'est éliminé contre Manchester United. Manchester United, malgré des résultats en dents de scie en championnat anglais, Manchester est le troisième club le plus riche du monde avec 666 millions Ouais, d'euros de revenus en Pierre, 2018. ce que tu Donc veux ils sont dire, plus riches que Paris Saint-Germain. oui, parce qu'effectivement, si on regarde le classement de Deloitte qui est fait sur l'Europe, le PSG, il est septième en Voilà. Europe. Donc on se dit, après tout, la place honorable du PSG, c'est les quarts de finale. Exactement, elles justifient leur place sportive et elles justifient aussi finalement, et d'un point de vue économique, l'élimination du PSG face à Manchester United.